Bonjour Denis. Bonjour. Est-ce que vous vous préparez à jouer dès demain? C'est comme ça que c'est convenu pour la Coupe de France? Oui, je me prépare. Bon, déjà, je me prépare tout le temps, toutes les semaines, vous avez bien compris. Toutes les semaines, s'il y a un pépin avec Alban, que j'essaie de jouer. Mais oui, là, je me prépare donc pour demain. Et puis voilà, on fait comme d'habitude, nos séances veille de match. Comme d'habitude, c'est-à-dire que vous n'avez pas l'assurance de démarrer. Pour le coup, il n'y a pas de rotation prévue en Coupe de France entre vous et Alban. Si, non, mais oui. C'est moi qui va jouer, c'est juste, je vous dis, voilà, on se prépare comme d'habitude, s'il faut jouer. Donc là, demain, c'est moi qui va démarrer, donc je me prépare. Puis voilà. Quand on est gardien numéro 2, bon, on imagine qu'on les coche, c'est match de coupe, sans qu'il y en ait. Mais cette année, c'est un petit peu différent par rapport aux autres années. C'est vrai que là, on débute qu'au mois de février, ce premier tour de Coupe de France. Mais oui, c'est bien. Je suis content que je puisse jouer en Coupe. Elle n'a pas la même saveur, cette Coupe, cette année, cette Coupe de France. Elle est particulière. On a déjà joué un mercredi après-midi. Bon, dans la famille, on commence à avoir l'habitude. Mais pour vous, ça va être une première, peut-être? Oui, c'est vrai, c'est une année différente, on va dire, comme cette saison tout entière. Elle est différente par rapport aux autres. Mais voilà, on s'y prépare. C'est une autre compétition. Il faut mettre de côté le championnat. Maintenant, il faut se concentrer sur ce match de coupe et faire un maximum pour l'emporter ce match. C'est ça le discours qu'il y a eu, notamment du coach cette semaine, c'est la Coupe de France, c'est une respiration qui doit permettre d'oublier les mauvais résultats en Ligue 1. Oui, enfin, il y avait ça, mais il n'y avait pas besoin non plus d'un grand discours. C'est voilà, c'est une autre compétition. Faut prendre ce match au sérieux, comme tous les matchs qui sont là. C'est juste que c'est pas la même compétition. Il faudra essayer de l'emporter. S'il faut aller jusqu'au tir au but, ben on ira. Il n'y a pas de souci. Vu la situation au classement en Ligue 1 qui est compliquée, est-ce qu'on arrive à se projeter totalement dans cette compétition ou on pense toujours au contexte actuel avec la lutte pour le maintien? Non, je dirais comme tout à l'heure, comme j'ai souligné, c'est une autre compétition, c'est un autre contexte, c'est la coupe, c'est un match, soit on est qualifié, soit on est éliminé, puis il faudra tout donner sur ce match-là. Après, voilà, le championnat, c'est une autre histoire. On va se préparer bien pour le match d'Angers dimanche qui arrive, qui est très important. Ça, c'est autre chose. Mais là, il faudra se concentrer surtout bien sur ce match de demain. Comme je vous ai dit, tout mettre de notre côté pour essayer de l'emporter. À choisir, s'il fallait gagner un match cette semaine, ce serait quand même celui de dimanche le plus important dans la saison. Moi, je dirais les deux. À choisir, je ne sais pas, c'est difficile. Mais les deux matchs, je trouve que c'est important. Comme là, c'est un match de coupe, on va essayer de se concentrer à 100% pour l'emporter. Après le match d'Angers, on sait que tous les matchs qui vont arriver en championnat, ils vont être très importants jusqu'à la fin. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de prolongation, ça modifie votre préparation? Il y a plus de chances d'aller au tir au but, donc plus d'entraînement de ce côté-là? Non, pas spécialement. On a fait une séance de tir au but, comme avant chaque match de coupe. On verra bien comment ça va se passer, comment ça va se dérouler le match. On espère pas y aller jusque-là. On espère l'emporter avant. Ce serait bien. Vous avez vécu, vous, une belle aventure en Coupe de France. Justement, on parlait du SCO avec le SCO en 2017. Et j'en reviens à ma première question, entre une Coupe de France avec les amateurs en lice, avec une vraie aventure, là cette année elle est un peu tronquée cette aventure, on arrive quand même à rentrer dans cette effervescence, de se dire que c'est la Coupe de France. Ouais, c'est sûr que c'est très compliqué, je pense surtout pour les clubs amateurs, qui je pense qu'ils jouent encore, donc c'est très difficile pour se préparer quand le championnat il s'est arrêté. Ouais, c'est différent. C'est vrai que moi, j'ai vécu cette année-là avec Angers une très belle aventure. Donc,
pourquoi pas le refaire avec Nantes, ça serait génial. Vous en avez parlé avec vos partenaires, justement, de cette aventure en juin, est-ce qu'elle sert de référence éventuellement? Vous êtes peut-être plus légitime à en parler? Non, on n'en a pas spécialement parlé, on n'a pas discuté là-dessus. On sait que c'est une autre compétition. On va prendre chaque match qui arrive voilà, avec les mêmes intentions, c'est d'essayer de l'emporter ce match de coupe. Puis on n'en a pas discuté par rapport à cette aventure angevine que j'ai vécue. Est-ce que le fait que ce match arrive très vite après la nouvelle déception de dimanche, finalement c'était une bonne chose? Ça vous permet de vous occuper l'esprit cette semaine? Bah écoutez, moi j'espère vraiment que ça va déclencher une nouvelle dynamique positive. Je l'espère vraiment pour nous tous, pour le club, pour le supporter. Voilà, j'espère que ce match-là pourrait nous servir pour de déclencher une série positive. Ça serait vraiment bien et ça serait comment dire, c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Comment étaient les têtes, l'ambiance dans ce début de semaine après la nouvelle contre-performance de dimanche? Bah écoutez, le groupe, c'est ce qui nous attend. On est déçus, c'est normal après chaque défaite, mais on sait que le championnat, ça va jouer jusqu'au bout. J'espère qu'on va se maintenir le plus vite possible, mais s'il faudra jouer jusqu'à la 38e journée, ben voilà, et le groupe est prêt. On sait ce qui nous attend. Les matchs qui arrivent vont être, comme je l'ai dit tout à l'heure, vont être très très importants. Puis voilà, maintenant, de toute façon, tout le monde est concentré là-dessus, focalisé. Le club, nous, les joueurs, il faudra se concentrer sur ça. Vous sentez qu'il y a de l'énergie? Oui, il faut. Il faut. De toute façon, on n'a pas le choix. Il faut. On a tout. Tout est encore jouable, c'est ça, comme on dit. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, le groupe, il se prépare. Je sais que c'est des moments difficiles là en ce moment, mais après, il faut être prêt et puis continuer à se battre sur chaque match qui arrive. Comment on vit justement cette saison difficile, ces 15 matchs sans victoire, quand on est un peu impuissant, enfin, on participe aux entraînements, mais quand on est impuissant en match, comment on vit ça? Bah écoutez, c'est évident que c'est pas une saison facile. Après voilà, on connaît le contexte, etc. C'est difficile pour tout le monde. Pour nous, il faut se concentrer. Ce qui s'est passé, c'est passé. Il faut se concentrer vraiment sur les matchs qui viennent et oublier, voilà, on est sur une mauvaise série. Oublier ce qui s'est passé et vraiment regarder vers l'avant. Ce qui est important, c'est les matchs qui arrivent et se concentrer que là-dessus. On peut pas revenir en arrière de toute façon. Donc moi, personnellement, bah, écoutez, j'essaie de donner un peu de voix, un peu d'énergie au groupe de, justement que, pour essayer de s'en sortir le plus vite de cette situation. C'est quoi votre rôle justement dans le vestiaire? On dit souvent que cette équipe manque un peu de leader. Vous, c'est quoi votre rôle? Quelle est votre place? Bah écoutez, comme j'ai dit depuis le début de saison, c'est surtout voilà, qu'il y a une bonne ambiance déjà entre nous, entre les gardiens, qu'on puisse bien travailler ensemble. Après, j'essaie d'apporter un petit peu mon expérience, mon vécu, on va dire. Ce que j'ai vécu dans d'autres clubs, d'essayer d'apporter ça au groupe, puis pour justement positiver et puis garder le moral, parce que, comme je vous ai dit, c'est des moments qui sont pas faciles, mais de toute façon, on n'a pas le choix et il faut rader vers l'avant. Vous parliez justement d'enclencher une série positive. C'est quoi les ingrédients qu'il faut mettre dans le match pour retrouver la victoire? Et ben, comme sur certains matchs qu'on a fait ces derniers temps, surtout à l'extérieur, par exemple le dernier match qu'on a fait à Saint-Étienne, il faut vraiment garder cet état d'esprit, la combativité, et puis d'être peut-être un petit peu plus juste dans les derniers gestes, dans les deux surfaces, pour éviter des erreurs qu'on commet, et puis offensivement, justement, des occasions qu'on a, de les mettre au fond. Voilà, j'espère que ça va basculer de notre côté un petit peu la réussite. Puis,
Puis voilà, il faut, surtout pas changer ça, rester bien en bloc, équipe, puis continuer à se battre. Dans certains clubs, il y a eu des discussions pour des baisses de salaire. Est-ce que ça a été le cas chez vous? Écoutez, pour l'instant, oui, on a eu quelques discussions. Pour l'instant, voilà, le club, je ne sais pas quelles décisions ils vont prendre dans les semaines ou dans les mois à venir. Pour l'instant, il n'y a pas de souci là-dessus. Puis nous, voilà, c'est le plus important vraiment, c'est de se concentrer sur le terrain et puis de faire le maximum pour remporter plus rapidement les matchs et de prendre des points qui nous manquent. Et si on vous demande de baisser votre salaire de 20%, est-ce que vous allez accepter? Après, on verra, on discutera. Pour l'instant, on n'a pas vraiment une discussion directe avec qui que ce soit. On verra le jour à venir, mais... Mais s'il faut faire, voilà, on discutera. C'est pour le bien de tout le monde. Si tous les clubs seront obligés de faire ça pour pouvoir finir la saison, je vois pas pourquoi nous, ça serait une exception. Mais on verra quand on discutera avec le club. Vous pensez que ça devrait plutôt être une décision collégiale de tous les clubs et pas club par club ou même joueur par joueur? Oui. Après, c'est une décision aussi de, comment dire, collective. C'est vrai que la situation dans le football est difficile. Je suis peut-être pas très bien placé parce que je ne sais pas exactement de chaque club comment ils sont. Moi, voilà, s'il faut faire des efforts, ben on le fera tous. Mais c'est vrai qu'après, nous... Le joueur, le plus important, c'est de se concentrer maintenant sur le terrain. On n'est pas, je vous dis, on n'a pas eu trop de discussions encore là-dessus. Mais je pense que si à Nantes, on n'a pas à se plaindre. Ce serait plus à vos agents, finalement, de dire ça? Non, c'est vraiment, chacun verra ensuite fonction de ce qui est proposé. Merci.